kick it. Rice a passé un accord avec le GRE et il va s'enfuir d'Aran avec les notes de Zeré. Je dois l'en empêcher. C'est taré de... Oh putain, ça fait mal. Oh. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce qui semble être le dernier épisode de Dying Light, du moins pour l'émission principale. Donc on est parti. Hein. Comment t'es là? Ah, je suis pas débile, hein, c'est que je teste juste ce que j'ai déjà vu grimper dans des endroits moins épais que ça. Je veux pas t'écouter. Quoi? M'écouter? Quelle bonne idée. C'est mieux. Je préfère avoir un vrai orchestre pour accompagner un combat entre rois. Pour tout quoi. Voilà. Parce que je le veux. Que tu restes en bas. Oh, mais il est grimpé où là? Ah bah ça y est, il m'a poussé. En plus il y a une grosse bête. Quoi dans la mer? Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Mais... T'as eu peur là? Oi, 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 oi. C'est mieux. Je préfère avoir un vrai orchestre pour accompagner un combat entre rois. Voilà. Parce que je le veux. Waouh. Waouh, 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 waouh. Aïe aïe aïe. Cours, Crane, cours. Les esclaves se fait pour ça. Cours, Crane. Faut que j'aille où? Aidez-moi. Oh non, non, non. Bon là, je suis sauf quelques secondes. Oh non, 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 non. L'arnaque. Cours. Non, bah non.
Ah, ils ont pas été de main morte. Tiens. Waouh, je suis dans la merde. Cours, cours. Waouh, l'enculé de sa race. Bon. Ta gueule. Fais ou elle brèche quelque chose là. Accroche-toi. Aïe, miséricorde. Non, non. Ah, puis je reprends là. Bon, c'est bon, ta gueule. Non, c'est pas la peine, faut vraiment que je l'éclate, le petit. Je vais jamais y arriver. Ah merde, faut que je fasse par là. Bon. Ils ont poussé là, ils ont été un peu forts. Non ! Allez, passe! Putain. Bon, on se concentre. Allez mon gars, vas-y, avance. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là.
Elle en peut plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, quelle bande de malades! Oh putain! Oh putain! Oh. Ah ben punaise! Me le refaites pas passer, s'il vous plaît! Ça, c'est de l'entrée! Tu es peut-être un roi! Le roi des morts! Et toi, t'es le roi des morts! Putain, c'est ton arène. Tiens, Crain. Accepte ce cadeau royal. Ce qu'il m'a fait. Tu ne peux pas me tuer ou me vaincre. Tu ne peux même pas m'atteindre. Ouais. Oui. Là. Ce n'est pas faute d'essayer. Permets-moi de t'accompagner en musique. On va mettre de la bonne musique alors. La musique de la souffrance, jouée par des esclaves. Idéal pour toi. Oui, tu le dis. Allez, allez. Plus vite, bordel. Je crois qu'il va arriver en haut, je suis pas sûr moi. Oh, chien. Oh, il y en a pas mal là-dedans aussi, je vois. Ah merde. Rice a dit que tu viendrais. T'es blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que tu récoltes en essayant de survivre. Rice nous a tous trahis. Je vais là-haut, Karim. Je vais le rejoindre et tuer cet enfoiré à main nue. Pas par ici. On a posé des mines sur les deux étages au-dessus.
passe par le deuxième bloc, tout en haut. Puis reviens. Adieu, Karim. Par où tu veux que je passe là? Hein? Mais où tu veux que j'aille là, là-dedans là? Dégage. Karim t'a averti ou je me trompe? J'ai eu raison de le descendre. Certains diraient que c'est pas fair play de ma part de te tirer dessus. Sincèrement, je préférais quand tu parlais pas autant. Pour moi, c'est plus une manière de dégager le terrain du jeu. Tu comprends l'expression, pas vrai? Wow. Je vais où? Je vais où? Ouais, tu fais quoi là? Non, 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 non. Il est stressant ce jeu. Alors voyons voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut les laisser être débiles un peu? J'ai l'impression. Venez tous là, les amis. Regardez le truc qui pète là au bord. Ça descend, ça descend. Regardez. Non, ils sont pas assez bêtes. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Quel abruti quoi. Non, 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 mais non, mais non. Bon, go. Et dégage. Cours, cours, cours. T'as plus le temps de t'arrêter là. Mais... Aïe, 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 c'est pas possible. Mais...
vrai que ça fait mal. Excuse-moi de rajouter. Mais non, mais tu vas où là? Tu vas pas monter comme ça. Pas net. Mais arrête! Putain, mais il est pas net ce mec! Putain, il chope n'importe quoi! Putain, on manque de trucs, mais arrête de tout prendre quoi! Ce club est amené à disparaître. Ouais. Quand je t'aurais tué, hein, j'aurais plus besoin de toi, j'aurais plus besoin de ce club. Non. Vas-y, là. Tu veux pas me faire passer sur une ficelle aussi pendant que tu y es? Petit à petit, hein, parce qu'il voit même pas ses pieds, alors... Putain, mais le mec, quel vertige, quoi, il fait même pas le jeu, quoi. Attends, ouais... m'a toujours fait marrer dans les jeux, c'est que tu grimpes comme ça sans trop savoir où tu vas. Il y a toujours une sortie. Mais le problème, c'est que à l'état normal, il y aurait trop de... Non. Il y aurait trop de chances de se retrouver bloqué quelque part et puis plus pouvoir descendre ni monter. C'est un peu n'importe quoi. Bon. Alors. Oula, c'était chaud. Pauvre Crème. Il est terrassé par l'émotion. Ouais, ben passe par là où je passe et on en reparle, d'accord? Ce genre de sentiment t'affaiblit.
fais pas le con. Mais non. Attention. Mais il est quand même là. Nous revoici l'un en face de l'autre. J'ai donc plus besoin de ça. Avec ou sans, t'es un homme mort, Suleiman. Allez, Crane. Ne fais pas comme si tu t'en moquais. Combien de vies dépendent de ce disque? Des centaines? Des milliers? Peut-être des milliards? Mais non, pourquoi j'appuie sur A à la place de croix? Hein? Parce que je suis trop passé sur PS3. Hey, Crane, ne fais pas comme si tu t'en moquais. J'ai commencé à jouer sur PS3 de toute manière. Des milliers, peut-être. Sur PS1 même. PS2. Tu as raison sur une chose, Crane. Suleiman est mort. Bon. Tu as raison sur une chose, Crane. Suleiman est mort. Par contre, ils auraient pu recommencer tout à zéro. Il est mort avec son frère dans cette ville. Bon, on va se planter à chaque fois. Tu as raison sur une chose, Crane. Suleiman est mort. Il est mort avec son frère, dans cette ville. Tu n'es même pas d'ici. Tu ne connais pas la souffrance. Je vais t'apprendre, Crane. Tu vas souffrir avec moi. Tiens. Je ne résisterai pas, comme tu l'as fait pour Taïr. Vas-y! Va te faire, enfoiré. Tu veux que j'édicte mes règles? La première, c'est que tu vas souffrir tout le reste de ta putain de vie. Me laisse pas comme ça, Crane. Montre que t'es un putain, homme. Putain, tu vas te taire, merde! T'aurais pu lui couper l'autre main aussi. T'es les fils de pute. La situation change, on n'a rien d'autant. Si c'était à Aran. Cette blessure m'aurait tué. Maintenant, c'est toi qui es entre la vie et la mort. Et le GRE va me conduire dans un hôpital. Je t'offre la possibilité de décider de ton sort. Donne-moi le disque, afin qu'il y ait une petite chance qu'Aran survive. Et je te tuerai. Sans douleur. Résiste, la ville est perdue. Comme toi, tu es jusqu'à d'accord, seul. D'accord, tiens. Deux. Mais non. Qu'est-ce que tu fais?
comme décision. Connard. Vas-y, une petite balle dans l'hélico là. Qu'est-ce que tu veux ? Bryce nous a dit qu'il avait les notes du scientifique mort. Il n'y a que le vaccin qui nous intéresse. On vous donne une dernière chance. Récupérez le reste des données et venez avec nous. J'ai des tonnes de raisons de vous dire d'aller vous faire foutre. Mais si pour une fois vous arrêtiez de me prendre pour un con, vous avez besoin du vaccin. Et il est ici, quelque part, en ville. Tant qu'il sera là, vous pourrez pas tout faire sauter. Rain, qu'est-ce que vous en avez à foutre de ce qui arrive à ces gens ? Vous n'êtes pas d'ici. C'est juste une mission. Non, plus maintenant. Je vous recontacterai quand j'aurai pris ma décision. Rain, vous m'entendez ? Ici Camden. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? L'analyse des échantillons est terminée. Les résultats sont époustouflants, et je ne pense pas que le mot soit trop fort. Rain, si vous récupérez les notes de Zeré, je suis certain qu'on pourra trouver un vaccin. Entendu. On en reparle quand on se voit. Ouais. C'est Ayo au micro. Je vous le rappelle encore, passez la nuit dans l'abri le plus proche. Bonne nuit, et bonne chance. Bon, j'avoue que j'apprécie moyennement un peu la fin. J'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus explicite dans la fin de l'histoire. Malheureusement, on n'y aura peut-être droit que pour un prochain épisode. Mais j'ai quand même trouvé la dernière mission assez sympa. J'ai quand même... Ouais, voilà, c'était palpitant, hein. On peut pas dire le contraire. Donc voilà, j'espère que cette petite série sur Dying Light vous aura plu. Malgré que jusqu'à maintenant il y a eu très peu de vues, mais comme je vous ai déjà dit, moi c'est pas trop le but premier de faire des vues. Surtout me faire plaisir dans un premier temps, et pourquoi pas faire plaisir aussi à vous si vous regardez et que ça vous intéresse, parce qu'après c'est vraiment les séries comme ça où je fais des let's play plutôt que des gameplay, on pourrait dire, et bien je les fais, ouais, en plus de la chaîne, hein, ça, je pourrais presque les faire sur une chaîne secondaire, mais bon, vu le peu de vues que je fais, comment dire, sur ma chaîne principale avec ces let's play, je pense que je ferai encore beaucoup moins de vues sur une chaîne secondaire, donc bon, pff, voilà, je le mets là, et puis de toute façon, ouais, voilà. Donc voilà, en gros, j'espère que cette série vous aura plu quand même, pour ceux qui l'ont regardé, ou ceux qui la regarderaient peut-être plus tard. Comme je vous ai dit, pour ceux qui la regardent là tout de suite, je l'ai dit dans l'épisode précédent, je pensais qu'il y aurait peut-être un, deux, trois autres épisodes, mais il y avait que celui-ci, vu qu'on arrivait vraiment à la fin. Et donc si ça vous intéresse que je reprenne donc toutes les petites quêtes annexes que j'ai pas faites, que je les fasse soit sur une compile, ou que je coupe vraiment les moments inutiles entre chaque mission, bien sûr, hein, je vais pas couper pendant les missions, mais enfin voilà, vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Je pourrais toujours faire une ou deux autres vidéos là-dessus. Ça, vous me dites. Après, bon, s'il y en a qu'un qui me demande, je suis pas sûr de le faire, mais on verra. Bon, c'est sur ce, voilà, donc on arrive quand même à la fin, le prochain jeu que je vais faire, ce sera peut-être Evolve, je vais le tester avant. Si j'accroche, peut-être que je ferai, enfin ça va dépendre comment il est le jeu aussi.
Je vais voir aussi la partie zombie de Dying Light, comment ça se passe. Mais je crois pas qu'il y ait quelque histoire que ce soit avec ce DLC. Je pense que c'est un truc qui se joue en multi. Enfin, donc voilà. Donc je vous laisse sur la fin du générique. Et puis, écoutez, à très bientôt pour, j'espère, une prochaine vidéo ou un glitch ou autre. Bon, allez, salut à tous, mais bonne soirée à tout le monde et bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Mais le soir, c'est quand même mieux, vous êtes plus dans l'ambiance. Bon, allez, ciao à tous.